Bonjour et bienvenue à la suite de cette formation. La dernière fois, on était sur les composantes extérieures. Aujourd'hui, on va essayer de continuer sur ça et de mettre aussi le mobilier au niveau de chambres et de salons. Avant tout, je vais ouvrir le projet avec la version 2020. Avant, j'ai travaillé avec Revue 2019, donc vous allez remarquer que notre projet sera mis en, automatiquement mis à jour vers la version 2020. Donc, il y a aussi des versions 2021 qui existent. Donc, je pense que si vous avez un bon PC, donc essayez d'installer Revue de 2021, parce que c'est la version le plus avancée actuellement. Donc je vais chercher notre projet, je vais ouvrir, je vais chercher le projet. Je l'avais installé au niveau de mon disque et ici, j'avais donné comme nom. On va chercher. Mieux. Projet. Voilà, c'est là. Donc votre modèle est en cours de mise à niveau. Voilà. Des Autodesk Revit 2019 vers Autodesk Revit 2020. On va attendre un peu. Ça prend un peu de temps. Voilà. Ici, on voit qu'une fois la mise à niveau terminée, extraire les modèles pour éviter le besoin de répéter les processus. Voilà. Même si on travaille avec ça, si on n'existe pas encore, donc on est à chaque fois qu'on ouvre le projet, il va essayer de répéter la même processus. Ça prend du temps. Voilà. Ici quand même on voit que ici ça va être toujours un peu plus clair par rapport à l'autre, la version 2019. Voilà. Avec ça même aussi on peut augmenter la luminosité au niveau de là. Si vous voulez augmenter la luminosité, donc vous pouvez augmenter l'ombrage, la lumière au niveau de là. Je pense que ici je vais juste faire une petite modification au niveau de là en montrant que les piétons là où les piétons vont passer. Donc avant de passer au niveau mobilier, au niveau des chambres, des meubles, des canapés par exemple. Donc je vais cliquer sur modifier au niveau de là. Au niveau TN, je vais partir au niveau TN, au niveau de là. Donc je vais juste prendre par exemple, en montrant qu'au niveau de là, il y a... Je vais modifier ici. C'est juste ça que je vais modifier. Par exemple, je vais sélectionner ça en amenant jusqu'à l'autre côté. Je pense que c'est comme ça, si les traits là sont... Non, c'est comme ça normalement. Il devait être comme ça, au lieu de l'autre façon.
je vais avoir des traits comme ça. Je vais diminuer comme ça. Cinq mètres. Voilà. Et celui-là, je ne peux pas le prendre parce que c'est un autre composante qui est là. Je vais mettre 15 par exemple. Donc à partir de là maintenant, je vais essayer de copier ça plusieurs fois. Appliquer multiple. Je prends là. Je fais juste comme ça, quelque chose de un peu comme ça. Voilà. Parce que c'est bon, pas trop trop joli, mais je pense que c'est bon. À partir de là maintenant, je vais prendre celui-là, je vais faire modifier. Je vais aligner ça par rapport à ça et aligner par rapport à ça, aligner par rapport à ça. Ok, maintenant je prends celui-là, je vais faire copier plusieurs fois. Puis appliquer parce que c'est bon. Une fois que je regarde ici, voilà, je vais faire la même chose au niveau de l'autre côté. Même ces plantes là, je peux toujours augmenter la hauteur ici au niveau de là. Pour cela, je vais mettre par exemple 6 mètres de 5 mètres. C'est toujours 4 mètres qui est là, mais c'est juste ici que j'ai changé, je vais mettre 6 mètres. Voilà. Bien, on met ça à 7 mètres. Il fallait que je duplique ça, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. C'est bon. Je vais faire la même chose ici, c'est bon. Parce que ici seulement c'est bon. Je vais amener composante, je vais chercher une voiture. J'avais téléchargé de composantes pour le salon, mais j'ai pas pu extraire avec mon PC. Au niveau de là, je vais partir là où il y a inséré, il y a chargé une famille. Donc ici, donc je vais partir au nouveau programme data. Programme data ici, Autodex. Je vais partir chercher Revit 2020. J'ai une librairie au niveau de là. J'ai Australie déjà.
Déjà, quand vous installez le logiciel, vous avez plusieurs librairies ici, Australie ou autre. Bon, ici, moi, j'ai déjà Australie, mais c'est en anglais. Donc, c'est juste de voir la correspondance en français vers l'anglais ou de chercher un nom sur des portes. Vous essayez de traduire ça en anglais et vous venez ici pour voir. Parce que ici encore, on a la France, au niveau de là. Donc, si vous regardez bien, moi, quand j'ai installé le Revit 2020 avec un autre PC, donc j'avais coché toutes les bibliothèques qui se trouvaient là-bas. Donc, si vous regardez ici, par exemple, au niveau de mon. Si vous regardez ici, par exemple, ici, et vous allez voir ici au niveau de Famille Revit, c'est le seul que j'ai téléchargé. Ici, vous allez voir. J'ai mis librairie ici. J'ai Australie, Canada, Egypt, France, générique, Hong Kong, India. Donc tout ça, c'est des librairies. Donc il y a quelques différences entre eux. Voilà. Par exemple, maintenant, si je viens ici, France, je vais chercher par exemple site, le nouveau de site, j'ai des véhicules DD. Ça, c'est mieux de mettre ça au niveau de coupe. Voilà. Si vous faites des coupes, il suffit de placer ça à une coupe. Voilà, ici on a des parkings, des choses qu'on peut aussi mettre au niveau de notre la surface était à l'extérieur. Donc logistique, on n'a pas vraiment de voitures. Vous pouvez télécharger tout ça au niveau sur l'internet. Voilà, même la voiture qu'ils ont ici, c'est pas trop joli. Donc je vais prendre celui-là, je vais le mettre au niveau de là. Je vais le charger d'abord à l'intérieur du projet. Je vais repartir encore au niveau de là. Je pense que j'avais un autre qui était un peu différent de ça. Ça aussi, c'est on peut le mettre si on veut. Voilà. Mais on va partir par exemple au niveau de programme data. Je pense que je réplique programme data autodex. Je vais revenir au niveau de 2019. Je vais voir si j'ai pas mis ici quelque chose. Je sais pas là où je l'ai mis. Il y a une fois que j'ai amené ici, ces mêmes choses qui sont là. Presque il n'y a pas de changement entre Revit 2019 et 2000. Presque il n'y a pas de changement au niveau de là-bas. Je ne sais plus là où je l'ai mis, mais j'avais ça ici quelque part. Donc on laisse ça comme ça pour l'instant. Avec avec notre véhicule, on peut juste venir au niveau de là. On a notre véhicule qui est là maintenant. On peut venir positionner là où on veut, là où on va mettre par exemple. Par exemple, vous pouvez venir positionner votre voiture au niveau de là. Voilà. Pour venir positionner votre voiture. Si vous regardez les paramètres, il n'y a pas de paramètres comme c'est juste quelque chose de un peu cartouche, pneumatique, noir, bleu ciel, tout ça. Voilà. Je pense que déjà vous cliquez ici, ce qui veut dire que si vous pouvez augmenter, vous pouvez prendre ça, augmenter ça comme ça. Voilà. Mais il n'y a pas une. On ne donne pas de paramètres, on augmente juste par. Mais nous, on laisse ça par. Par défaut. Voilà, je vais retourner. C'est bon. Donc si vous avez d'autres voitures, vous pouvez toujours positionner au niveau de là. Voilà. Si on regarde aussi tout ça, aussi on peut laisser ça une fois le mieux. Donc on le met.
Voilà. Quand même, les arbres au niveau des limons, quand même, sont plus unis que les arbres au niveau des lacs. Voilà. Bien, même avant d'exporter ça, je peux même éliminer tous ces arbres-là. Mais une fois éliminé, donc on va choisir d'autres types d'arbres au niveau de là. Voilà. Donc si on part au niveau de... Ici, c'est bon. On va passer par exemple au niveau RDC. Voilà. Supposons qu'ici, on va... Je ne vais pas afficher ça.